Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le radar Autopista. Vous devez faire 354,1 km/h au radar avec une voiture du Royaume-Uni des années 90, réglée en maximum SA 900. Comme voiture, j'ai choisi la TVR Cerbera Speed 12 de 1998. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la récupérer dans la boutique du Forzaton ici pour 300 Forza Points. Et on va utiliser le réglage PR Stunts avec le code 1 0 8 7 5 8 0 3 2 1 0 8 7 5 8 0 3 2. On va partir d'assez loin, c'est-à-dire d'ici, là où vous avez l'intersection des routes, pour là-bas. Allez faire les 354,1 km/h. Le plus gros challenge, c'est le trafic. N'hésitez pas à rembobiner si vous heurtez des véhicules. On est à 3,2 km du radar. C'est parti. On se lance à fond. Vous pouvez rouler sur la piste. Enfin, sur la piste, sur le truc d'urgence, la bande d'arrêt d'urgence. Il n'y aura pas de véhicule. J'ai un peu de chance, il n'y a pas de véhicule du tout. C'est étonnant. C'est rare que ça arrive. Il n'y a pas du tout de trafic, je sais pas ce qui se passe. C'est la grève. C'est la grève du trafic. Et voilà. Évidemment, quand il n'y a pas de du tout de trafic, c'est très très facile. Et voilà, 384 km/h. C'est rempli du premier coup, mais j'avais aucun trafic. Je sais pas ce qui se passe, aucun trafic. Ça doit être un bug, c'est pas possible. Et voilà, les amis, c'est complété. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.